Quel joueur FIFA Mobile veux-tu que je teste lors de la prochaine vidéo? Dis-le-moi dans les commentaires. Eh bien, bonjour, le Guten Tag, Niao, c'est SMBTG. 73 aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur Player Test. Ça fait un peu un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo sur Player Test. Là, c'est la cinquième vidéo de la série. Et on va prendre un joueur au hasard. Donc, vous l'avez vu dans le titre, quel est ce joueur? On n'a toujours pas testé Messi, hein, je tiens à préciser. On a testé qui? On a fait du Mbappé Pogba dans le même épisode. Ensuite, on a fait Ronaldo. Ensuite, on a fait Thauvin et Nainggolan Tots. Voilà. Donc, j'ai pris l'URL de la dernière vidéo. Donc, je ne sais pas qui va être le joueur qu'on va tester. C'est plus pratique, certes, de tester des attaquants que des défenseurs. Hein, je le dis tout de suite. Donc, on trouve le petit site de l'info qui est sympathique. Tac. Attends, voilà, Random League Pick Winner. Test Messi. Ah bah. Ah bah voilà les gars. Et c'est pas du fake, hein. C'est suffit d'en parler pour avoir pour tester Messi. Bah voilà. le gros hasard. Et bah écoutez les gars, on va regarder combien vaut Messi. Messi. Oui, donc voilà, je suis genre. J'ai plus trop de crédit, ça commence à la dèche. Je pense qu'on va prendre Messi comme le Ronaldo. Je pense qu'on va prendre Messi Tots. Mais attends, je suis con moi. Je suis très con. Mais oui, je suis très con, mais je viens. Putain, mais je l'ai acheté il y a pas longtemps. Mais oh là là, n'importe quoi moi. N'importe quoi. Bah voilà, bah, j'ai acheté Messi il y a pas longtemps. Bah écoutez, ça tombe bien, hein, comme ça. J'aurais pas d'argent à économiser. Tant mieux, je veux dire, c'est le premier épisode où j'achète pas le joueur, où je l'ai direct. Bah tant mieux. Messi 81. Donc je précise juste que à la base c'est Messi 94. Il monte à 97 avec tous les attributs qu'il y a dans mon club. Vous avez peut-être vu, j'ai fait Royce 92. Enfin 99, pardon, pourquoi je dis 92. 99, bah, maintenant du coup je joue en 3-4-3 sur les ailes. Bien sûr, je mets pas hasard en pointe, je mets la case. Du coup ça me fait une petite équipe sympathique avec du Ramos qui est monté à 97 grâce à Carvajal, du Jiménez, j'ai une défense full BBVA en comptant les trois, bien sûr, les trois milieux, enfin les trois défenseurs, bref. Voilà. Bah écoutez, on est parti pour le premier match. Il n'y a pas de match dans la ligue à jouer. Bah, je suis comme un con, je l'ai déjà fait. Bon, on se fait écraser, hein. En même temps, on joue contre Millième League. Et là, bah, j'ai perdu. Bravo à Gabold. Je me suis fait défoncer. Il a une belle équipe aussi, une très belle équipe. Et dans la ligue, bah écoutez, bon, ça c'est pas ma ligue. Je suis quand même. Il m'a mis modo de jumper. Mais je suis pas. C'est pas moi le proprio. Bah, après, si je vois qu'il y a des demandes assez intéressantes, je crois que je peux les accepter. Du genre, c'est une demande d'un joueur à 97, 80, 98 de général, je peux l'accepter, mais vous voyez là, c'est que du 80. Faut que ça soit 95 minimum. Là, il y a que du 90. Vous voyez lui, bon, lui, je l'accepte pas parce que Jump le fera. Bref, on est parti. Du coup, on va faire un petit match en légendaire 3. Je pense pas faire des très très bons matchs parce que ça devient dur en légendaire 3. Ça devient très dur à jouer. Bon, on va tester Messi du coup, bah, on est con, on n'a pas vu, bon on regardera ses notes après. C'est un peu con de ma part. On n'a pas vu ce qu'il nous proposait. Forcément les 3-4-3 sont contrés, on va prendre le basique. C'est moins bien parce que sur les ailes, bien sûr, on allait avoir pas mal de ballons avec Messi. Mais après j'ai déjà mon ressenti parce que j'ai fait quand même 2-3 matchs avec lui, j'avais complètement zappé que je l'avais. Avant j'avais Walcott 95. La vitesse, ok, le physique, j'étais un peu. Bon, le physique, c'est avec Messi, j'étais un peu perplexe. Des fois, il faisait des très belles actions, des fois. Le physique, il faisait un peu manger. Le pied gauche, magnifique. Hein. Ouais, comme son équipe, elle est magnifique, belle équipe. Il y a une très belle équipe avec Bernadeschi sur le côté. Par contre, on compte sa tactique, ça peut être intéressant, ça. Mais bon, ça se trouve, ça va rien changer du tout. Ça peut être intéressant quand même de contrer sa tactique. Allez, premier tir, on s'en débarrasse vite. On va essayer de chercher du Messi, enfin... Essayer de chercher Messi sur le côté droit, allez, j'espère que l'action va pas durer non plus 10 ans. Allez, là, on commence... On a même pas fait une belle action. Ah, voilà, Messi. Voilà, Messi, ça élimine vie, il a beaucoup de vitesse. Pousse-toi, toi.
Et pied gauche, ça loupe. Pied gauche, franchement, ça loupe extrêmement peu. Du coup, c'est pas mal qu'on a le ballon avec Messi. La Lacazette, c'est pareil, il loupe très peu. Allez. Ce qui me chiffonne, c'est que c'est toujours les mêmes. Bon, c'est pas grave, il vient de marquer. Mais c'est Dani Ceballos en. On voit souvent, c'est ça qui est chiant. Attention, Messi. Ah, voilà. C'est ça, un peu de physique, je pense qu'il aurait pu passer. Attention, parce qu'il vient d'égaliser les Messi. Voilà, nickel. Bah, Messi, il fait les roulettes, c'est extrêmement bien ça, les gens qui font les roulettes. Royce, ça loupe jamais ça. Royce. Et j'ai marqué un but en contre-attaque, c'est plutôt cool. Oh non, Royce, il loupe ça. Incroyable. Pourtant, ça passe souvent avec Royce, regardez. Ouais, là, ça loupe pas. Ben, Roy, c'est extrêmement bien. On va le passer à Messi. Voilà, là, un contre un, s'il passe. Messi, sur ce match, a été pas mal, hein, on peut dire. Attention, pied gauche, on va regarder. Oh, magnifique, dommage. Ah, il ne laisse pas finir. Voilà, pied gauche, franchement, on peut faire des belles enrouées. Après, ça dépend comment vous tirez. Si vous tirez avec le doigt, ou si vous tirez avec le bouton tir. Moi, je vous conseille de tirer avec le doigt pour faire de belles enroulées. Puis c'est plus pratique, je trouve. On peut vraiment placer son tir où on veut. Voilà, moi, je tire avec le doigt. C'est comme vous le sentez après. Je sais qu'il y a des très bons joueurs qui jouent avec le bouton tir. Après, c'est chacun sa façon de jouer. Bref, le match est fini. Est-ce qu'on va attendre 2 minutes? J'espère pas. Ça va. Donc normalement on a gagné, parce que des fois il y a des bugs, on gagne à la fin mais on perd quand même. Un jeton victoire, pas mal, pas mal. On a quoi avec? On a un jeton réminiscence de Saint-Patrick. D'ailleurs c'est Forster, le gardien de Southampton, qui est dans le plan Saint-Patrick. On peut le voir, je sais même pas où c'est. Défi, voilà, c'est Forster. Le bon gardien de Southampton. Bon, après, ça m'intéresse pas spécialement de le faire parce que j'ai déjà regardé au Black en gardien. Donc, d'ailleurs, je l'ai bientôt en légendaire. Donc, ça sert à rien. Bref, Messi, ben voilà, il nous a fait un très bon match. Mais pourquoi nous a-t-il fait un très bon match? Parce qu'il a des très bonnes notes. La vitesse est excellente. L'accélération encore plus. Voilà, il manque clairement de force, Messi. C'est vrai que j'ai jamais eu Ronaldo, Messi, Suarez. J'ai jamais eu d'amphi mobile. Du coup, bah, c'était aussi un peu d'envie de l'acheter il y a pas longtemps parce que. Dans les anciennes vidéos, je l'avais pas. J'avais un peu envie d'essayer ce que valait Messi. Après, avec ses roulettes, je pense qu'il a aussi, il passe pas mal. Voilà, la force est un peu faible, dommage. Dommage. Mais contrairement à Ronaldo, il est plus maniable, je dirais. Pour mes impressions. De toute façon, on va faire d'autres matchs, hein, vous verrez bien. Finition excellente, dribble excellent, tête forcément un peu faible. Puissance de frappe. Excellent, tir de loin également, placement également, coup franc, très bon coup franc, très bon cam, l'agressivité, bah il manque aussi un peu d'agressivité, ça un peu avec la force, le centre ça passe, les passes ça passe, voilà. On compare à lui, lui à part la force, je crois, ouais, il est pas mal en vrai, lui. Non, il a pas de finition, bref. Voilà, vous avez vu le premier match, on a gagné, heureusement, on jouait contre une tactique contrée. Et j'aimerais bien savoir mon dispositif, le 3-4-3 sur les ailes. Voilà, suffit de demander. Comme ça, on va peut-être encore un peu plus voir Messi. Même si on l'a pas mal vu, c'est sympa. Ça, on va peut-être le changer. On va mettre le un peu là-haut. On va jouer contre Calvino. Conectados. En espérant qu'il soit pas non plus AFK. Enfin, si, ça sera pas mal en fait. Non, il le sera pas. Il le sera pas parce qu'il appuie quand même là. Et on va débuter ce deuxième match. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi il n'y a plus de facecam sur la chaîne. Bon, en fait parce que j'ai un petit problème en fait pour enregistrer le son. Disons que... Allez, c'est parti. Disons que le micro, il va pas sur mon ordi, je sais pas pourquoi. Enfin, il n'y a qu'un type de micro qui va sur mon ordi, et le seul type de micro qui va sur mon ordi, le son est dégueulasse. Hein, donc, j'ai même pas envie de le mettre. Alors que là, le son est très bon. Du coup, c'est un peu dommage. Je pense que je trouve un moyen, et pour FIFA Mobile 18, il y aura une solution. Attention, Messi. Voilà, Messi, ça loupe pratiquement jamais, hein, les...
avec son pied gauche, avec sa patte gauche, ça loupe pas souvent. Voilà, c'est ça que ça me saoule. Je cherchais un nouvel MC, mais je n'ai pas trouvé. Voilà, nickel. C'est que j'ai pas trouvé, c'est un nouvel MC. Parce que regardez, les MC sont ultra offensifs en vrai. Ah, dommage. Les gars, on va pas perdre 10 ans là. Ah, elle passe celle-là. Ça fait but. Pourquoi il fait une... Ouais, on fait trop de la merde là. Allez, Messi. Oh non! Connerie encore. Ah ouais, on va perdre ce match. À moins que... Allez. Ah bah non. Faux espoir. On a fait un bon match au début, mais... À la fin, c'est vraiment... On a fait de la merde. Dommage. C'est dommage. Mais bon, mais si on n'a pas beaucoup vu, je dirais... il a mis quelques buts quand même. Si, il a mis les buts au début. De toute façon, au pire, il avait 7-5. Il a mis des buts au début. À la fin, on l'a moins vu. Il a loupé une belle action à la fin, mais bon. Voilà, on peut pas non plus tout reprocher à Messi. Il a fait son match, il a marqué quelques buts. Ce qui me saoule, c'est dans cette dispositif, c'est que les... Voilà, les MC sont beaucoup trop devant. Des matchs, on voit plus les MC que les Lacazette. Alors que moi, je veux plus voir Lacazette que les MC. C'est ça qui est un peu pénible, je dirais, avec cette formation. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est sur les ailes, mais je crois pas. Hein. Ça, c'est le 3-4-3 qui propose cette formation, ce dispositif, ouais, comme vous voulez. Mais du coup, voilà, on voit beaucoup plus les MC que Lacazette, des fois. C'est ça qui est pénible. Et voilà. Surtout que ouais, maintenant on tombe contre des équipes 99, hein, c'est incroyable. Ça veut pas dire qu'on ne gagnera pas, hein, mais bon. Je trouve qu'il devrait équilibrer un peu les équipes. Qu'est-ce que tu veux faire contre une équipe 99, quoi? C'est Burki, bien sûr. Ok, ça a bugué. Regardez Ziyech là, quel ballon, voilà. Bon, Lacazette, le pauvre, il est un peu tout seul. Ah mais il est pauvre. Il a pas marqué l'autre, hein. Bon, suffit de dire ça pour qu'il marque. Ah, faute. Ziyech pour le coup franc, il est bon coup franc Ziyech, il est bon. Non, ah je voulais une passe. Allez, Messi, ça loupe pas. Voilà, Messi, pas mal, il a fait son match pour l'instant. Avec Clichy, viens, voilà, viens. Allez, Messi. Bon, Messi, ça loupe pas. Hein. Messi, tu. Voilà, c'est ça qui est bien. C'est, si t'es vraiment placé comme ça, t'es pratiquement sûr de pas louper. Mais même comme ça, magnifique, Messi. Les tirs de loin. Ah, la casse, dommage. Allez, celle-là, faut la mettre. Y a pas le choix. Il m'a fait peur. Allez, mais si celle-là, si tu la mets, on a peut-être gagné. Bien joué. Bien joué, good game. Allez, celle-là, on la met, c'est sûr, on a gagné. Et voilà, les gars. Normalement, c'est bon. Il mettra pas 3 buts en 0 minutes. Il peut en mettre 2 maximum. Voire 0, hein. Mais je pense qu'il en mettra peut-être 1. Il est en contre. Alors, des fois, ça bug. C'est ça qui est relou. C'est... Des fois, t'as 2 buts d'avance. Tu te dis, c'est bon, j'ai gagné. Ben non, t'as pas gagné. T'as match nul ou 2 fois, t'as perdu. Mais c'est rare quand même, 2 buts d'avance. C'est rare de perdre quand t'as 0 seconde. Bref, normalement, là, on a gagné. Non. Je parle. Le mec en met 7 en 0 minutes. C'est incroyable, FIFA. C'est incroyable, FIFA, les gars. Merde. Bah, je pense que je suis pas le seul. Je suis clairement pas le seul à qui ça m'arrive. Les gros faux espoirs. Ah là là, bah tant pis, hein, voilà. Mais bon, Messi a fait un très bon match, hein. Il n'empêche que Messi a fait un très bon match. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah de toute façon, là, j'ai pas grand choix. Je suis en train de faire le Bernadeschi. Enfin, je le fais gratuitement. Hein. J'ai packé Bernadeschi. J'avais ouvert 2 packs transfert. Et j'avais eu un jeton Juventus. Du coup, j'ai ouvert. Il n'y a peut-être pas de pack intéressant à ouvrir, 75k.
Est-ce que je l'ouvre, ça, 500? Ouais, allez, je vais l'ouvrir, les gars. On va l'ouvrir en live. C'est vrai que je vous passe souvent les petits packs en live. On va l'ouvrir. Le pack qualification avec les points FIFA, s'il vous plaît. Un par un, allez, un par un. On boit une élite, ça serait pas mal. Collins, drapeau, morceau, on s'en tape. Lucas Vasquez, Funes Mori, drapeau, morceau. Oh là là, le pack de merde. Ça va, je l'ai pas payé 75K. Gros pack, moche comme tout. Ça, de toute façon, je le fais pas, les qualifications drapeau, je les fais pas. On va se faire une petite série pack, des petits packs sympathiques. Ouais, on va faire ça, les gars, on a un peu de temps, on a combien de vidéos? On a 16 minutes, allez, on peut se faire des petits trucs sympas. Qu'est-ce que je voulais faire de sympathique? Attends, on peut échanger ça maintenant contre 10. Pas con. Bon, je les ai pas, les 20. On va se faire quoi? On va se faire une ouverture de pack or, c'est le plus intéressant. J'en ai la masse. On va pas mettre... Oh si, c'est pas grave, on va mettre le roi. Hop. J'ai la masse, ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert des packs comme ça. Vous voyez les nombres de joueurs que j'ai. Je sais pas où j'ai... Si, bah c'est avec les packs. Hein. On se trouve, je mets des gros joueurs dedans. Sanchez, j'ai regardé son prix, il vaut rien. Voilà, on va faire déjà pas mal de packs comme ça. Argent, c'est pareil, on en aura la masse. Pourquoi pas choper? Oh non, on n'a pas la masse. Pourquoi pas choper... Bon, ça, par contre, oh, non, ça, on va pas le faire. C'est même pas la peine. Pourquoi pas choper un petit joueur... des petits trophées élites, un ou deux. Même si ça m'avance pas grand-chose. Je vais surtout mettre les trophées qu'on a en vente rapide. Voilà, bon, ça, c'est de la merde pure et dure. Allez... Oh là 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 là. C'est mauvais. Même pas un truc elite. Ouais, or c'est bien, 3 or. 3 or c'est bien ça. C'est bien. 3 trophées or, c'est bien. Oh, j'ai cru qu'on allait avoir que des trucs or. Bronze. On en a un or pour sauver la mise. Là c'est mieux, 3 or c'est pas mal. Les packs avec 3 trophées or, c'est bien. Même pas un élite pour l'instant, pas un élite. C'est pas ce que je recherche non plus. Ok, un or. Des argents. On va se faire peut-être 2-3 packs vente rapide. Ouais, peut-être 1 ou 2, 3, je sais pas. Je pense 2 ou 3. Du coup, on va s'ouvrir les packs vente rapide. Juste, j'en ai mis dans les trucs joueurs or. Hein. Voilà. Joueurs, bien sûr, on va pas les prendre. Vente rapide, est-ce qu'on peut faire un pack comme ça? Allez, on va faire un de chaque. On va faire un pack comme ça. On va le prendre. Et un pack comme ça. Voilà. On pourrait se faire d'autres packs avec... avec cela. À mon avis, j'en ai la masse, la masse, la masse. Je sais pas si je les ouvre avec vous, hein, parce que... C'est pas forcément intéressant pour avoir que des trucs argent. Allez, dépêche-toi. Voilà. Ce serait bien de réunir en fait tous les packs et de les ouvrir en même temps. Est-ce que j'aurai assez pour faire un autre pack? Ah non, j'aurais peut-être pas. Si, j'aurai assez. Ouais, si, du coup, on va les ouvrir. Les packs trophée bronze. Trophée argent plutôt. Ce serait bien qu'on réunisse. Excusez-moi pour le bruit. Ce serait bien qu'on réunisse en fait tous les packs. Vous voyez, on réunisse par exemple les 5 packs argent que je viens d'avoir ou les 4, je sais plus. C'est vrai qu'on réunisse, genre une option à réunir les packs. Et comme ça on ouvre les packs, on a les 5 trophées en même temps. Vous voyez, on n'est pas obligé d'ouvrir les packs un par un, c'est un peu long, un peu pénible. Voilà, c'est une petite... un petit plus, ce serait sympa, pour ne pas perdre du temps. Après je sais qu'il y en a qui aiment bien ouvrir les packs comme ça. Voilà, chacun fait comme il veut. Allez, on aura 3 trophées or plus 1 trophée argent. Qu'est-ce qu'on va mettre ça? On va mettre... Du coup, il nous faut des argents. Voilà, c'est le dernier qu'on ouvre. Après, je vous laisse tranquille. Enfin, je vous laisse tranquille en termes de pack nul hein, à ouvrir, c'est ça. Voilà, on a notre... Bah non, je suis con. Oh, je suis con, moi, je suis con. Je suis très con. Bah non, du coup, c'est pas possible. Ouais, super.
Bon les gars, comme je voulais pas non plus avoir fait ça pour rien, je viens d'acheter des petits trophées sur le marché des transferts. Oui, ça se trouve toujours. Voilà, je voulais pas non plus vous faire attendre pour rien, juste pour avoir rien au final. Du coup, je me suis acheté des petits trophées. Enfin, des petits trophées, non, des petits... Oui, si, des petits trophées sur le marché des transferts. Ah bah tiens, mais je suis comme un con, voilà. Bah, on ouvre, vente rapide, 3, 2, 1. Ouais, 7500, je crois que j'ai toujours eu de la merde dans les ventes rapides. Mon meilleur, je crois que c'est 30 000 crédits. Il y en a qui tapent des 100 000, moi je tape des 30 000 crédits. Allez, cette fois-ci, pas corps de position. On va tout ouvrir d'un coup, je crois qu'il y a un or. Voilà, Alvarez, pas terrible. Ces petits packs, un bonus, hein. C'est pas non plus des gros packs. Vente rapide, 3, 2, 1. Ah, 5000, oh là là là, c'est nul, c'est nul. Pourquoi j'ai que de la merde au ventre rapide? Moi j'ai toujours eu n'importe quoi au ventre rapide. J'ai toujours eu de la merde, c'est dommage. Donc ça fait, c'est mieux que rien, ça fait 12 500 crédits, ouais, super. Super, bref, voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour, hein, le pack gratuit du mois, j'ai dû l'ouvrir. Voilà. Je pense que c'est tout, on est bon, donc voilà, pour résumer, pour finir sur le player test quand même, Messi c'est un bon joueur, ainsi il a quand même pas mal de vitesse, c'est ce qui est bien, il a beaucoup de finition avec son pied gauche, excellent, franchement il est très complet, sauf voilà dans la force, donc après si ça vous dérange pas de pas avoir un joueur qui a de la force, je vous le conseillerais, parce que franchement il est très complet de partout, sauf voilà dans la force. Après, si la force vous dérange, si vous aimez pas les joueurs qui tiennent pas trop en contre 1, bah, je vous le conseillerais pas du coup. Je vous le conseillerais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais si dans l'ensemble, moi je suis satisfait, je vais le garder. Et voilà, donc n'hésitez pas à me proposer des joueurs en commentaire de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bah, voilà, c'était SamuTG73. Salut.